Salut à tous, Route 86, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de Pokémon Lettres. Dans l'épisode précédent, on avait éclaté ce bon vieux Helio. Et maintenant, vu qu'il s'est barré au Mont Couronné, il va falloir aller le chercher. Il est parti au sommet. Et il est temps d'y aller pour la phase... Pour une de mes phases préférées en jeu, car elle dispose de la meilleure musique. D'ailleurs, je vais ouvrir l'appli de musique et je vais fermer mon tableau des types parce que ça va plus me servir à rien, je pense. Un jeu qui n'aime pas du tout que. Ouais, tu te calmes. Alors, juste que je trouve de la musique. Pardon. Ok, je l'ai sous la main. En attendant, il est temps d'y aller. On ne pouvait pas aller par là auparavant. Y a-t-il un objet? Oh, pas d'objet, on y va. Ah putain, 9 chances enfin. Il y a un item dans le rocher, je pense. Une rapid ball. Et là, ça fait quand même très League Pokémon l'aspect. Ah, il y a un item, il faudrait que j'aille le prendre. Putain, déjà. Il va y avoir beaucoup d'items, mais je sais pas si j'aurai assez de repousse pour. Provoque. Hop. Par appel, ça fait toujours plaisir, ça m'évitera d'en racheter. Et il me semble que c'est là qu'il faut que je sorte. De mémoire, c'est pas par la sortie là parce qu'il semble que ça me ramène sur oui. Putain. Putain, possible de te faire voir. Merci. Il faut qu'il y ait encore plus de dresseurs, donc ça sert à rien que je mette là. Pour l'instant. Alors ça monte l'attaque, c'est parfait pour qu'il épuise. Hop. Tout peut sauter. Et je pense qu'on est parti. C'est pas tout de suite. Si je descends là, non, c'est la suite. Non, c'est par ici. Bon, on va être investi de deux mêmes missions. Un, nous assurer une fixe de notre position au sommet. Deux, détruire toute personne nous en sont interposés. Vous savez quoi, je vous mettrai bien du remix sans destruction parce que bon. Avec ces abrutis dans les environs, ça va pas être très bien. Oh, here we go. Je
d'accord. Alors c'est tout ce qu'il prend. Hop, et tu meurs. Niveau 40. Je refuse, je n'accepterai jamais tes choses. Bah, t'es obligé d'accepter, t'as plus de Pokémon. Ça résoudrait tous nos problèmes, non. Il y a quoi par ici? Une poudre claire. De toute façon, faudra que je refouille tout. Si jamais je suis... Ça me dit, on va passer par là. Ah, salut. Oups, notre heure est venue lors de la team. Ah, c'est Pokémon aussi. Fionné. Fake Manafi. Avec crachant, pour lui. Avec... Hop. Il remet sa défense. Histoire de... Baisser ses défenses. Et de le mettre KO. Ah. Encore, je veux le mettre KO pour l'armure. D'accord, comme je pourrais le dire. Et voilà. J'y arriverai donc jamais. Attends, chaton, tu m'as déjà embêté au début du dernier épisode, s'il te plaît. Chaton. Chaton, tu es sage. Merci. Hop. Le repos était toujours actif, ouais. Est-ce qu'on arrive à la musique? La musique. C'est pour ça que j'aime ce jeu, putain. Le chat. Chaton, tu es sage, j'ai dit. Voilà, c'est bien. Tu te mets sur le sac. Une poignée de pouvoir, je crois que c'est pour l'attaque, ça c'est cool.
fraîche chaton. Hop, c'est parti. Mais cette musique, punaise. Sauf qu'on peut jouer à Diamant et Perle. J'ai pas force. Je pense. Putain, j'espère que je vais pas avoir besoin de force parce que sinon ça va être juste casse-gueule. De langue génial. Mais j'ai de la chance que tu sois loin, écoute. Qu'il faut que j'aille, mais bon. Griffe rasoir. Oh, Draco. Il y a chaton qui s'est posé, qui était seul. Chaton. Là, il faut cascade, donc c'est pas possible. Une plaque ciel. Être originaire et respirer seul avant que l'univers ne soit. Elles sont totalement dans le désordre, les plaques, c'est vrai. La force, ça me permettait juste d'éviter le haut des armes, mais bon, j'ai pas eu de soucis. Putain, c'est vrai qu'ils sont là. Et oui, on attend. Notre reviendra. Une heure rien que pour nous. Je vais remonter le temps vers une époque sans Pokémon. Alors non, on parle d'espace, on parle pas de temps, une connard. Les mots qui a fini depuis plus bas. Ouais, ça va. Et c'est bon que le prochain éclat rock le tue, parce que c'est très pas clair. Et chaton est allé dormir. Hein, ouais. Voilà, je change de Pokémon, il a un rapace de pique. Ça va rien faire sinon. Voilà. Et il va perdre un tour. Il
il résiste au type acier, il est pas faible au type normal, donc sur le type électrique. Deux points de dégâts, t'es pas lourd du tout. Y'a un méga putain encore. Il fait le type combat. Je vais mort mais j'ai pas d'attaque courée sur chaque pilote. Donc autant y aller la tête dure. Voilà. Arg. Belle phrase de défaite. Voilà, et pour nous, histoire qu'il puisse monter de niveau et évoluer en un truc plus intéressant. La Team Galaxy est toute puissante, il faudrait être fou pour oser défier Team Galaxy. Ou sacrément déterminé, c'est plutôt ça à quoi je pensais. Galaxy. C'est un petit Pokémon, il ne devrait pas faire trop de dégâts. Je devrais pas avoir une distance de dingue non plus, voilà. Il est faible au type acier, ok. Niveau 40. Ne pas s'opposer aux puissants et pure folie, dis-tu. C'est ça. Je pense que si on est toujours fort, si t'as des Pokémon, mettre égalité, j'aurais dû rêver plutôt. Je sais plus où j'ai entendu ça, le principe de dans un combat Pokémon, tout le monde est à égalité. Je sais plus où je l'ai entendu. Et je sais que c'était dit dans le jeu ou dans l'animé. Et voilà cette petite grotte. C'est un grand trou. Et je crois que c'est pareil qu'il faut qu'on aille parce que sinon il va pas tenir. C'est notre opération finale, personne s'interposera. Carmache. Ok, il fait le type vol. Carnariquet, c'est une attaque qui passe ça. Je me souviens, je suis type petit spectre. Voilà. Eh bah oui, je suis dans le sol. Faire la raquette, c'est la pression, en fait, pas sûr, je crois. J'appelle ça s'interposer. Alors je lui filerais bien la chance, mais ça défoncerait son attaque picor, en fait, et c'est trop pratique.
Ah. Et ben voilà. Sacré bestiaux. Tu vois, le mal que tu poses par ça ici, c'est ta faute si mon de la Team Galaxy se protège. Je pense que tu peux aussi paraître très très folie et très fadé. Hein. Alors, Vasilis. Il est faible type mort. Aïe. Allez! Le premier coup. Aussi, tu fais souffrir. C'est vraiment des psychopathes ces mecs. Putain, il y en a encore un. Il n'y a pas d'objet ici. Je vais juste soigner un peu tout le monde. Putain, il y a Pono qui a perdu le PV en mauvais moment quand même, c'est con ça.
Hop. Je peux pas croire que tu m'es suivi. Ok, mon pote, ce que tu veux. T'es qui toi déjà? Le BO. Je suis remords, putain. Saleté. C'est long. C'est vrai qu'il est nouveau fort que tout le monde. Excepté. Ok, les frives, tu résistes fort que peu, vas-y. Thank you.
Armor, le tir pour moi c'est les dégâts d'armor. Même pas. C'est... Me tue pas. J'ai eu chaud. Vous sortez ce talent. Tu viens de donner la réponse. Ici un item. Oui. Bon, on est arrivé à ce point là. Alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder une partie. Je vais arrêter l'épisode ici du coup. Qui sera plus court que le précédent d'ailleurs. Je vais ressortir, me soigner, essayer de revenir à ce stade après avoir refait des achats et tout. Donc en attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le classique pouce bleu, tout ça, nanana. Et on se retrouve eh bien, dans le prochain épisode pour la suite du mot couronné et peut-être même la fin du mot couronné qui fera des plus intéressantes. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.